Hello, hello, bonjour tout le monde et bienvenue pour ta Daily Dose of Marketing. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un tout petit peu de thème. On arrive sur la fin de la semaine, alors on va être un petit peu plus cool. On va parler efficacité. De temps en temps, comme ça, on fera des petits bouts mindset et un peu autre chose. Et donc, ce matin, j'avais envie de te parler d'efficacité et en gros, comment faire avancer tes projets plus vite. Parce qu'on a toujours besoin d'aller plus vite, on a toujours envie d'aller plus vite et ne pas tomber dans la procrastination. Et pour ça, j'ai quatre questions pour toi qui vont t'aider à t'assurer que tes projets avancent, mais avancent vraiment, que tu vas vraiment délivrer quelque chose. Parce que je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute ou que je coach, etc. Eh bien, bien souvent, quand on est entrepreneur, on a la tête qui fourmille d'idées. On a plein d'idées. Enfin, je veux dire, on est les champions en général pour avoir 40 idées à la seconde. Et tout ça, c'est très bien. On est des gens très, très créatifs. On a beaucoup d'envie, beaucoup d'imagination. On est très passionné par ce qu'on fait. Et donc, forcément, il y a plein, plein de choses qu'on a envie de faire, plein de choses qu'on a envie d'accomplir. Le problème, quand c'est comme ça, c'est que malheureusement, eh bien, on a du mal à exécuter tout ce qu'on fait. Je connais des entrepreneurs qui sont exécuteurs, et tant mieux, mais il faut avouer que ce n'est pas la majorité. Donc, le problème, c'est que comment on fait pour transformer une idée en actions mesurables et réalisables qui vont vraiment te permettre d'obtenir des résultats. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, si tu veux vraiment avancer dans ton business, il faut que tu réussisses à mettre en place tes idées et tes projets. Avant que j'aille plus loin sur les quatre questions hyper importantes que je vais te montrer aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que sur Rapidly, on a un webinaire entier consacré à comment être plus efficace et maximiser ton ROI. Pendant une heure, avec Dee, on a passé en revue toutes les méthodes qu'on utilise pour être hyper efficace dans notre activité et que surtout, ça impacte véritablement notre business et notre revenu. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je remettrai le lien au-dessus de cette vidéo. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande d'aller voir ce webinaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, comment tu peux faire pour être plus productif et pour t'assurer que tu délivres véritablement les idées que tu as en tête en termes de projet? Eh bien, d'abord, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, elle remonte à quelques années en arrière quand j'étais encore employée. Et oui, moi aussi, je suis passée par employée avant de devenir entrepreneur. On était une équipe de trois, une équipe de marketing digital. À nous trois, on avait des projets évidemment à traiter pour l'entreprise. Et c'était une époque absolument incroyable. C'était un peu un mode start-up. En réalité, c'était une spin-off d'une grosse entreprise. Il y avait beaucoup d'émulation, beaucoup de passion, beaucoup d'envie de réaliser plein de choses. Et pourtant, eh ben, on avait beau bosser comme des fous, on pédalait dans la semoule. Je te mens pas, on avait beau être trois, d'accord? Trois. On faisait des journées à rallonge, on était hyper motivés, vraiment, on y mettait tout notre cœur, toute notre passion, on essayait d'être le plus efficace possible, et pourtant, eh ben, on ne délivrait pas. Et en tout cas, on ne délivrait pas suffisamment, et l'entreprise a fini par se demander pourquoi on ne délivrait pas suffisamment. Et tu sais ce qu'ils ont fait, parce que l'entreprise, des fois, il y a des bonnes idées, ils ont appelé une des consultantes externes avec lesquelles on travaillait, et ils lui ont demandé de venir faire un assessment de notre équipe, pour comprendre pourquoi, pardon, pourquoi on ne délivrait pas, en tout cas pas suffisamment et pas suffisamment rapidement. Cette consultante, tu sais par quoi elle a commencé à, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à nous interroger chacun sur les projets qu'on menait, etc. Et évidemment la façon dont on travaillait. Et puis, tout ça a pris quelques jours. Et quelques jours plus tard, donc, elle nous a convoqués tous les trois avec notre chef. Et elle nous a montré un tableau Excel. Dans ce tableau Excel, elle avait listé chacun des projets que nous menions sous forme d'équipe ou bien individuellement et la priorisation de chacun de ces projets. Est-ce que c'est un projet super urgent, en tout cas qui demandait à être livré tout de suite, etc. Et quand elle nous a montré ce tableau Excel, il y a tout de suite quelque chose qui nous a sauté au nez. Eh bien, on gérait chacun plus de 10 projets urgent ou relativement urgent. Donc chacun, on avait plus de 10 projets à délivrer, plus ou moins urgents. Tu vois bien que dit comme ça, c'est
le mythe de Sisyphe, quoi. C'est, tu peux rouler ton rocher tout en haut de la montagne toute la journée, il va forcément redescendre. C'est-à-dire que tu peux pas y arriver. Gérer, vouloir délivrer 10 projets urgents quasiment en même temps, c'est juste pas possible. C'est humainement pas possible que tu sois seul ou en équipe. C'est complètement impossible. Donc, la première chose qu'elle a fait, elle a dit, il faut absolument réduire le nombre de projets et les rééchelonner dans le temps pour que chaque personne gère 3-4 projets maximum en même temps. En réalité, le maximum, ça devrait être 3 pour être vraiment efficace. Parce que tu peux pas, quand tu as plein de projets, tu t'éparpilles. Forcément, tu fais un bout de ci, un bout de ça. Et tu peux jamais être complètement impliqué dans un seul projet. Tandis que si tu limites ton nombre de projets, eh bien, tu peux vraiment t'investir dedans. Et à partir du moment où tu es vraiment investi dedans, que ça trotte dans ta tête en arrière-fond tout le temps, que tu as du temps pour exécuter les différentes tâches que tu dois faire, eh bien, tu avances beaucoup plus vite que si tu t'éparpilles ça et là. Donc, mon premier conseil suite à cette histoire que je veux te donner, c'est ne multiplie pas les projets. Je sais, tu as 40 000 idées dans la tête, je te jure, moi aussi. Mais choisis 3 projets sur lesquels tu veux te consacrer. J'ai par exemple, je vais te montrer, j'ai par exemple moi un petit journal qui s'appelle le M3 journal, c'est un petit type de productivité que je te donne. Et dans ce journal, je note les projets et je note aussi le temps que j'ai à disposition. Et ça me permet d'échelonner mes différents projets. Je sais que par exemple, cette semaine, j'avais vraiment un nombre d'heures limité pour travailler. Eh bien, j'ai réalisé que je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai dans la tête. Et donc, j'ai mis les choses urgentes et j'ai décidé de développer un projet en particulier. Et je me suis concentrée sur celui-là et c'est tout. Et j'échelonne comme ça les projets sur les 4 semaines qui arrivent. Et je sais que ce que j'ai prévu est réalisable et que je ne vais pas m'éparpiller, que je vais pouvoir vraiment faire ces projets-là dans le temps imparti. J'en arrive maintenant à mes 4 questions que tu dois te poser pour chaque projet que tu développes, et chaque 3 projets, hein, si possible, rappelle-toi, 3 projets, pas plus, que tu veux développer. La première question que tu dois te poser, c'est qui ? Qui va faire avancer le projet ? Qui va faire les tâches qui sont demandées par le projet ? Alors, en tant qu'entrepreneur, en règle générale, c'est assez facile. Si tu travailles tout seul, en général, c'est toi. Néanmoins, même si tu travailles tout seul, il est possible de déléguer certaines tâches. C'est-à-dire que tu peux très bien sous-traiter à l'extérieur, je ne sais pas moi, à un designer, à un assistant, etc. Peu importe, mais certaines tâches, tu vas pouvoir les sous-traiter. Et si ce n'est pas absolument essentiel que tu le fasses toi, si toi, entre guillemets, ça va te prendre plus de temps que quelqu'un d'extérieur, tu dois certainement te poser la question, est-ce que ce ne serait pas mieux si je déléguais cette tâche à quelqu'un ? Est-ce que ça avancerait pas plus vite ? Est-ce que ça ne ferait pas avancer mon projet beaucoup plus vite ? Surtout si ce projet va avoir un impact important sur ton business, peut-être que ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que je ne devrais pas le déléguer ? Donc, première question hyper importante, qui va faire les différentes tâches du projet ? Ensuite, qui fait quoi ? D'accord ? La deuxième question, c'est forcément qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, c'est hyper important que dans ton projet, tu arrives à découper ce projet en plusieurs tâches ou plusieurs sous-tâches ou plusieurs sous-projets. À toi de voir, ça dépend de la complexité de ce que tu cherches à accomplir. Mais globalement, c'est hyper important que tu scindes tout ça en petites tâches et que ces tâches, elles soient concrètes, que tu saches exactement qu'est-ce que tu dois faire. Donc, si possible, pour transformer ta super idée en projet réalisable, tu dois la découper en tâches concrètes qui vont te permettre de la réaliser, de l'exécuter réellement. Troisième question, pour quand ? Évidemment, si tu as des idées, des projets et que tu fixes pas de deadline, ça va rester une jolie intention. Je te le garantis, tu vas arriver nulle part. Donc, je te propose de systématiquement donner une date d'échéance pour ton projet et ensuite de reculer, donner une date d'échéance pour chacune des tâches que tu as prévues dans ce projet. Ce n'est que si tu fixes des dates que tu arriveras à avancer. Parce que, à partir du moment où tu t'es fixé une date, ça te met une pression naturelle à accomplir ce que tu dois accomplir. Ton planning, il peut glisser, bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais essaye de le maintenir un maximum. Rééchelonne, on va dire, peut-être toutes les semaines, ce que tu as prévu pour ton projet. Comme ça, tu es sûr que tu laisses pas les trucs partir, être trop en retard sur ton projet. Si tu es trop en retard, au bout d'un moment, tes deadlines, elles veulent plus rien dire et de nouveau, tu n'avances plus. Donc, soit
sois rigide un petit peu là-dessus. Hein. Je sais, ça demande un petit peu d'organisation, mais voilà, fixe-toi des deadlines pour chaque tâche. Et enfin, quatrième question, la quatrième question qui est super importante, c'est comment j'assure le suivi de ce que je suis en train de faire? Et c'est un peu ce que j'étais en train de te dire avec les deadlines. L'idée, c'est que toutes les semaines, tu dois faire un point sur ton projet et te dire, OK, où j'en suis? Par rapport à ce projet, qu'est-ce qui a avancé? Est-ce que ces tâches, cette tâche-là ont été accomplies correctement? Oui, non. Sinon, je dois les remettre à plus tard. Est-ce que je suis dans les temps pour mon projet ou non? Est-ce que ça a des impacts pour mon projet? Est-ce que je dois demander à telle personne de délivrer plus tôt, plus tard? Est-ce que je dois mettre la pression à une personne à qui j'ai sous-traité une partie de ce projet, etc., etc., etc. Tu dois assurer le suivi de ton projet. Même si tu travailles tout seul, tu dois faire le point avec toi-même. Oui, je sais, ça paraît ridicule, mais pourtant, je te promets que c'est comme ça que ça marche. Si tu fais le point avec toi-même, régulièrement, eh bien, ton projet y partira pas en vrille et tu verras que tu iras beaucoup plus vite sur l'exécution de ton projet. J'en ai fini pour tout ce que je voulais te dire. Je voulais simplement te rappeler que, par exemple, dans ton projet continuel qui est de faire ton marketing et même pour réaliser d'autres de tes projets, tu peux t'appuyer sur le calendrier qu'on a développé dans Rapidly. Je te le montre rapidement, je vais partager mon écran. Hop, il est ici. Voilà. Dans Rapidly, tu as accès à un calendrier. Et ce calendrier, il a de ça qu'il est génial parce qu'il va te permettre d'organiser tes différentes communications, toutes les actions de marketing que tu dois faire. Comme ça, ton projet de marketing, il part jamais à volo. Tu sais exactement que ton marketing est géré. Par qui? D'ailleurs, tu peux mettre exactement si c'est par toi ou si tu as confié cette tâche à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire comme action de marketing? Toutes ces actions, elles te sont déjà proposées dans Rapidly et tu vas pouvoir les ajouter à ton calendrier comme tu le souhaites. Le calendrier t'aide forcément à maintenir le pour quand et tu vas voir, et ça c'est génial dans Rapidly, tu vas pouvoir aussi assurer le suivi de ce qui est fait. Bon, tu as des codes couleurs pour savoir si les actions ont été faites et pas faites. Et surtout, tu vas pouvoir savoir combien tes actions de marketing te rapportent effectivement. Voilà, donc si tu n'as pas encore testé Rapidly, c'est peut-être le moment de le faire pour devenir un petit peu plus productif sur ton marketing. Sur ce, je te laisse, j'arrête le partage. Et puis, je te dis à tout bientôt. Ciao.